Salut les terriens, cette semaine le JDE change un peu de d'habitude puisqu'étant en vacances, je vous ai préparé un best-of des temps forts qui ont marqué cette année 2021. Comme je le dis souvent, le secteur spatial est en pleine ébullition ces dernières années et je suis certain que vous allez revoir certains moments clés que vous aviez déjà oubliés. Allez, c'est parti, je vous souhaite un très bon journal de l'espace. Ça y est, le SN9 a enfin pu s'envoler. Alors certes, avec de nombreux jours de retard, mais au moins cette fois, toutes les autorisations de vol étaient en ordre ce mardi 2 février. Après un décollage aux côtés de son successeur SN10, le prototype SN9 a fait rugir ses trois moteurs Raptor pour commencer une lente ascension jusqu'à 10 km d'altitude. La montée a été ici très similaire à celle du précédent vol, avec au bout d'une minute et 40 secondes, l'arrêt de l'un des trois moteurs, puisque l'appareil ayant consommé une partie de son carburant, son poids diminue et deux moteurs suffisent alors pour continuer la manœuvre. Un peu plus tard, vers 3 minutes 15 de vol, l'appareil coupe aussi son deuxième moteur pour n'en maintenir qu'un seul allumé, à présent suffisant pour produire la poussée requise et continuer la lente ascension de l'appareil. Il faut savoir qu'à cette hauteur, la pression de l'air est aussi moins importante qu'au sol, la résistance s'appliquant sur la fusée exerce aussi moins de force sur l'appareil, ce qui peut faciliter son accélération, mais les vitesses restant ici très faibles puisque l'objectif n'est pas de se mettre en orbite mais seulement de tester l'appareil, ce paramètre reste négligeable. Une fois arrivé à l'altitude voulue, c'est-à-dire à environ 12,5 km, l'appareil s'est penché sur le flanc et a coupé son dernier moteur pour entamer sa lente plongée subsonique. La descente a été ici maîtrisée pendant les presque 2 minutes de chute, et c'est au moment de rallumer les deux moteurs pour se redresser que les problèmes ont commencé. Sur ces images, on remarque qu'un seul Raptor fonctionne correctement et que le second peine à s'enclencher à plusieurs reprises. Le SN9 n'a alors ici bien évidemment pas la poussée suffisante pour ralentir, ni même pour s'orienter, et vient alors s'écraser au sol de manière un peu plus brutale que la première fois. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le moteur ayant redémarré n'a cette fois pas fait cette drôle de couleur verdâtre que nous avions aperçu avec le SN8 et a semblé fonctionner correctement pendant toute la manœuvre, ce qui pourrait indiquer que ce problème est réglé. Mais la vie des ingénieurs chez SpaceX n'ayant rien d'un long fleuve tranquille, ils doivent à nouveau faire face à un nouveau challenge. La deuxième bonne nouvelle, malgré cet échec, c'est que le SN10, à gauche sur ces images, n'a rien et pourra très vite prendre la relève. C'est historique, la NASA a de nouveau posé un rover sur la planète Mars. Et oui, après un voyage de près de 7 mois à travers l'espace et 470 millions de kilomètres parcourus, Perseverance, le rover dernier cri de l'agence spatiale américaine, accompagné de son petit hélicoptère Ingenuity et bardé d'une panoplie d'instruments internationaux tous plus sophistiqués les uns que les autres, a traversé l'atmosphère martienne en commençant sa course à une vitesse de plus de 20 000 km/h. Pour ensuite fortement ralentir pendant 7 minutes, avant enfin de toucher Mars pour la première fois et continuer son long voyage à sa surface. Des centaines de milliers d'internautes ont suivi l'événement sur les très nombreux lives en direct, du moins en direct ça n'est pas tout à fait vrai puisque la distance qui nous sépare alors de Mars au moment de l'atterrissage étant de 205 millions de kilomètres, les informations qui nous proviennent du rover mettent alors 11 longues minutes à nous parvenir. Autant vous dire qu'avec un tel délai dans la réception d'informations, et donc aussi dans l'envoi d'informations au rover, il est impossible pour l'homme sur Terre de contrôler l'atterrissage à distance, et tout se fait alors en totale autonomie par Perseverance lui-même. D'ailleurs, les vidéos prises par le rover à une telle distance de la Terre mettront plusieurs jours à nous parvenir à cause des limitations techniques de bande passante, mais nous avons tout de même eu droit aux premières photos basse résolution prises par Perseverance une fois posé au sol et remis de ses émotions. Dans l'ordre pour cet atterrissage, nous avons donc eu un ralentissement progressif une fois que le rover descendait dans la très fine atmosphère de Mars, pour rappel 100 fois moins dense que sur Terre, où la capsule contenant Perseverance est montée à 1300 degrés tout de même, suivie de l'ouverture d'un parachute subsonique pour le ralentir un peu plus, et largage du bouclier thermique ayant rempli son rôle. S'en est suivi l'évaluation de la zone d'atterrissage par les instruments de la capsule, puis le largage du rover accroché au Skycrane, un appareil équipé de rétropropulseurs prévu pour parcourir les derniers centaines de mètres, qui est venu poser Perseverance comme une fleur à la surface de la planète. Dès la confirmation du succès de l'atterrissage, c'est bien sûr l'explosion de joie dans la salle de contrôle, mais on peut saluer la discipline impeccable des spécialistes du Jet Propulsion Lab, qui ont tout fait pour respecter les gestes barrières et montrer l'exemple en évitant les enlaçades et longues poignées de mains enthousiastes. Cette pandémie aura bien évidemment marqué notre époque, et il est toujours intéressant de rappeler que Perseverance emporte avec lui sur Mars une plaque en aluminium qui rend hommage au personnel de santé et à leurs efforts durant la pandémie de coronavirus.
notre rover, qui se remet de ce formidable voyage, a donc maintenant plusieurs missions à remplir et va fonctionner pendant au minimum une année martienne, c'est-à-dire 687 jours terrestres. Et oui, logique, Mars étant plus éloigné du Soleil, une année sur cette planète dure plus longtemps que sur Terre. Et il va notamment rechercher des traces d'une vie ayant pu exister sur Mars il y a plusieurs milliards d'années, faire voler son petit hélicoptère Ingenuity, étudier le climat martien, et enfin collecter des échantillons de roches et de poussière pour les stocker dans des petits tubes qui resteront à la surface pendant plusieurs années. Ces échantillons seront ensuite récupérés par un autre rover dans les années qui viennent, puis envoyés en orbite de Mars, pour être ensuite récupérés par un vaisseau faisant l'aller-retour entre la Terre et Mars, qui nous livrera enfin cette ô combien précieuse cargaison d'ici une dizaine d'années tout de même. Et oui, rappelons-le, l'aventure spatiale n'en est encore qu'à ses débuts, et les accomplissements et progrès dans l'espace prennent toujours beaucoup de temps. Le Journal de l'Espace a d'ailleurs dédié les deux derniers articles de son blog, disponibles à l'adresse qui s'affiche, à l'histoire et aux découvertes réalisées sur et autour de Mars. Et même si beaucoup rêvent maintenant de voir un jour l'homme fouler la surface de la planète rouge, on peut au moins aujourd'hui saluer le formidable travail de ses ingénieurs qui ont une fois de plus démontré la capacité qu'a l'espèce humaine à se surpasser en amenant sur Mars un bijou de technologie créé ici, sur Terre. Revenons maintenant sur le premier vol réussi d'Ingenuity et ses plus belles images sur Mars. Ça y est, Ingenuity, le petit hélicoptère de la NASA, a enfin effectué avec succès sa première tentative de vol sur la planète Mars, ce qui en fait le premier robot à réaliser un vol mécanisé sur une autre planète que la Terre. Après un souci technique, heureusement mineur, survenu sur Mars lors du test final de son rotor la semaine dernière, Ingenuity avait reçu depuis la Terre une mise à jour de ses logiciels pour pallier à ce problème avant de tenter un nouveau décollage lundi dernier. Ce premier vol historique d'une quarantaine de secondes a permis à l'engin volant de s'élever pour la première fois dans la très fine atmosphère martienne, l'occasion pour l'appareil en vol stationnaire de prendre ses premiers clichés à 3 mètres d'altitude. Pour rappel, l'air de Mars est 100 fois moins dense que sur Terre, et pour générer la portance nécessaire, les longues pales du double rotor d'Ingenuity devaient tourner à 2400 tours par minute, c'est-à-dire 6 fois plus vite qu'un hélicoptère sur Terre, afin de soulever l'appareil allégé ici au maximum, puisqu'il ne pèse qu'1,8 kg. Ingenuity n'a ici qu'un but de démonstrateur technologique, c'est-à-dire qu'il ouvre la voie à la création d'autres drones volants utilisables pour l'exploration spatiale, en montrant qu'il est possible de voler sur Mars ainsi que sur d'autres astres similaires. Voilà donc un très bel exemple à suivre pour la mission Dragonfly, dont je parlais dans le hors-sujet du Journal de l'Espace qui s'affiche ci-dessus, une drôle de libellule mécanisée de 450 kg qui doit partir explorer Titan, la plus grosse lune de Saturne en 2027. En attendant, bravo à la NASA et à l'équipe du Jet Propulsion Lab pour la réussite de ce premier vol mécanisé parmi 5 au total sur une autre planète, un défi qui montre à quel point l'homme est capable de belles prouesses dans cette aventure spatiale qui n'en est encore qu'à ses débuts. Le week-end dernier, la capsule Crew Dragon, avec à son bord 4 astronautes, dont Thomas Pesquet, est arrivée à bon port sur l'ISS après un voyage de près d'une journée en orbite autour de la Terre. Un voyage qui ne fut pas de tout repos pour nos astronautes, puisqu'une alerte a été lancée quelques heures après le lancement à cause d'un débris non repéré jusqu'alors qui passait sur la trajectoire de la capsule. Sa détection ayant été trop tardive, aucune manœuvre d'évitement n'a pu être calculée, et les astronautes ont simplement reçu l'ordre d'enfiler leur combinaison pressurisée en urgence et de s'attacher à leur siège. Plus de peur que de malheureusement, puisque l'objet est passé à 45 km de la Crew Dragon, une distance qui peut sembler importante, mais dans l'espace on considère tout de même qu'il est passé juste à côté. Un incident qui nous rappelle combien la situation des débris dans l'espace reste préoccupante et ne va pas s'arranger avec les lancements qui sont de plus en plus nombreux chaque année. Une fois arrivés à l'ISS, l'accueil de nos 4 astronautes fut chaleureux et les occupants avaient d'ailleurs construit des chambres supplémentaires temporaires puisqu'ils se sont retrouvés à 11 habitants à bord alors qu'il n'y a que 6 cabines de nuit en temps normal. 3 lits supplémentaires ont donc dû être construits et les deux commandants des deux capsules Crew Dragon ont dormi dans leur vaisseau afin que chacun ait un endroit où se reposer. Une situation, comme je vous le disais, qui n'est que temporaire, puisque le retour des 4 astronautes de la mission Crew 1, déjà sur l'ISS depuis 6 mois, est d'ailleurs pour très bientôt, puisqu'ils vont quitter la station ce vendredi à minuit, pour retrouver la Terre ferme le lendemain vers 17h30. Je vous invite d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, à suivre le Journal de l'Espace sur Instagram pour rester au courant des dernières actualités spatiales, et sur le blog où Pierre-Henri vous a préparé un article très sympa sur 5 expériences que Thomas Pesquet va réaliser sur l'ISS.
La semaine dernière, je vous parlais aussi de cette nouvelle station spatiale chinoise, dont le premier module, appelé Tianhe, a été mis en orbite par une fusée Longue Marche 5B, et le premier étage de ce lanceur, après avoir relâché le module, devait ensuite manœuvrer pour se désorbiter et entrer dans l'atmosphère de manière contrôlée. Un souci technique n'a apparemment pas permis ce désorbitage puisque la fusée dérive aujourd'hui dans l'espace à basse altitude et devrait retomber sur Terre autour du 8 mai prochain, sans que nous puissions pour l'instant calculer plus précisément où et quand. Un objet de cette taille, de plus de 30 mètres pour un poids de plus de 21 tonnes, ne brûlera pas entièrement dans l'atmosphère, mais notre planète étant composée à 70% d'océan, la probabilité qu'elle retombe sur des zones habitées reste heureusement assez faible. Ce risque est d'ailleurs suivi de près par de nombreuses organisations et devrait pouvoir être calculé précisément environ 6 heures avant l'impact. Gardez donc l'œil rivé vers les étoiles, on ne sait jamais, au cas où le ciel vous tomberait sur la tête. Et on commence chez SpaceX qui nous en a encore mis plein les yeux cette semaine. Ça y est, après plusieurs tentatives avec les prototypes Starship SN 8, 9, 10 et 11 qui ont tous sans exception fini en morceaux, après de gigantesques explosions à l'atterrissage, leur successeur, le Starship SN15, ce monstre de 50 mètres de haut dont nous parlons maintenant depuis plusieurs semaines, vient de réussir mercredi dernier ce pari impressionnant de voler jusqu'à une altitude de 10 km, un peu dans le brouillard ici, de retomber sur le ventre pour contrôler sa vitesse de descente, pour ensuite se redresser à la verticale au dernier moment juste avant l'atterrissage en rallumant deux moteurs Raptor, afin de se poser tout en douceur sur l'air prévu à cet effet. Le SN15, qui avait subi une centaine de correctifs par rapport à ses prédécesseurs, dont la plupart au niveau des moteurs Raptor, souvent en cause dans les précédents échecs à l'atterrissage, vient donc de faire franchir une nouvelle étape à SpaceX dans la création de ce vaisseau spatial géant qui doit permettre à l'entreprise d'acheminer en orbite sur la Lune ou sur Mars d'énormes quantités de fret dans les années à venir, mais qui devra aussi être capable d'y transporter un équipage important, notamment en prévision du retour de l'homme sur la Lune avec les missions Artemis et les futures missions de colonisation de la planète Mars. Rêvons un peu dans la prochaine décennie. À présent, direction Mars avec l'atterrissage historique de la Chine sur cette planète. C'est un nouvel exploit de la Chine dans l'espace. Le 15 mai dernier, après avoir annoncé la veille qu'elle tenterait d'atterrir sur Mars pour la toute première fois, la Chine a réussi son pari et a déposé à la surface de la planète rouge son atterrisseur qui transportait le rover baptisé Zhujong. Parti depuis la Terre le 23 juillet 2020, l'ambitieuse mission chinoise Tianwen-1 a voyagé pendant 7 mois dans le vide spatial pour rejoindre la planète Mars, autour de laquelle une mise en orbite soigneusement exécutée le 10 février dernier avait permis à ce pays d'y positionner son vaisseau, comprenant un satellite orbiteur, un atterrisseur et un rover. Après des mois de collecte d'images pour cartographier la zone d'atterrissage, la Chine a ciblé une zone à l'intérieur d'Utopia Planitia, une vaste plaine de Mars s'étendant dans l'hémisphère nord de la planète. La procédure pour y poser l'appareil ressemble à celle utilisée pour poser les rovers américains, à savoir une rentrée atmosphérique progressive qui commence à près de 5 km par seconde, c'est-à-dire 18 000 km/h, suivie de l'ouverture d'un parachute pour se servir de l'atmosphère martienne, bien que très fine, pour ralentir l'appareil, se terminant par le largage de l'atterrisseur, l'allumage de rétrofusée et le contact avec le sol, tout ça en totale autonomie informatique pendant les fameuses 7 minutes de terreur, ici 9 pour être exact, avec une procédure légèrement plus longue. En effet, la distance entre la Terre et Mars ne permet pas ici un contrôle humain de la manœuvre, les informations arrivant avec une bonne dizaine de minutes de décalage. La Chine a donc réussi la semaine dernière un formidable exploit technologique, et ce dès sa première tentative. Atterrir sur Mars n'est en effet pas une partie de plaisir, et depuis les débuts de l'exploration de cette planète, ce sont de nombreuses missions qui se sont soldées par des échecs. Les Américains maîtrisent maintenant cette manœuvre avec plusieurs rovers à leur actif déjà posés sur la planète, à l'image de Perseverance en février dernier, et les Soviétiques en 1971 avaient réussi à se poser mais avaient perdu le contact avec leur atterrisseur juste après l'atterrissage. L'échec de l'atterrisseur européen Schiaparelli il y a seulement 5 ans en 2016 montre encore à quel point se poser sur Mars reste une étape plus que difficile. La Chine devient donc la troisième nation à se poser sur Mars et le second pays à faire atterrir avec succès un rover pouvant se déplacer à la surface de la planète. Appelé Zhujong du nom d'un ancien dieu du feu chinois, une appellation qui fait écho au nom de la planète rouge en chinois, Huoxing, qui signifie planète de feu.
La Chine reste cependant assez discrète quant à ses communications sur cette réussite peu médiatisée, et les images tardent à arriver, mais on sait que Zhujiang a déjà pu ouvrir ses panneaux solaires et restera au sommet de l'atterrisseur pendant une bonne semaine, le temps que les ingénieurs puissent faire toutes leurs vérifications. L'appareil de 240 kg fonctionnera en effet à l'énergie solaire et passera pas mal de temps à recharger ses batteries pour aller ensuite collecter et analyser des échantillons de roches de la surface de Mars. Sa durée de vie sera cependant limitée à 3 mois, pendant lesquels Zhujiang cherchera aussi des preuves de la présence d'eau ou de glace dans la zone où il a été lâché. Les États-Unis ne sont donc plus les seuls sur Mars, et ce nouvel exploit technologique chinois montre à quel point le bras de fer spatial qui s'est engagé entre les deux pays continue de se dérouler bien au-delà des limites de notre planète. Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, la Chine a lancé dans l'espace la mission habitée Shenzhou 12 avec à son bord 3 taïkonautes, qui est le nom officiel donné aux astronautes de ce pays, en direction de la CSS, la Station Spatiale Chinoise. Ils ont rejoint le module Tian'e après un peu plus de 6 heures de vol et effectué un arrimage sans encombre à la station. Les 3 taïkonautes, Ni Haisheng, Liu Buming et Tang Gongbo, désolé pour la prononciation, passeront environ 3 mois dans l'espace où ils réaliseront notamment quelques sorties extravéhiculaires, des tests de performance d'un grand bras robotique et la mise en service du système de survie de la station. Cela faisait 5 ans que la Chine n'avait pas envoyé de taïkonautes dans l'espace, et avec cette nouvelle station spatiale, qui se situe d'ailleurs un peu plus bas que l'ISS, ici autour de 380 km, le pays compte bien pulvériser son record de durée de vol habité, pour l'instant établi à 33 jours consécutifs dans l'espace. La Chine doit encore faire parvenir 2 modules supplémentaires à sa CSS pour en faire une véritable station modulaire, similaire à l'ISS. Pour rappel, si notre planète dispose aujourd'hui de 2 stations spatiales en service en même temps, c'est en partie parce que les États-Unis avaient refusé que la Chine participe à la création de l'ISS il y a 20 ans. Dans cette nouvelle course à l'espace entre ces deux pays, la réussite de cette mission habitée chinoise était ici une question de prestige pour la Chine, qui, il faut l'admettre, fait beaucoup parler d'elle dans l'actualité spatiale en ce moment. Comment ne pas parler des 2 premiers vols touristiques qui ont marqué l'actualité spatiale ces 2 dernières semaines? Le 11 juillet dernier, c'est Richard Branson qui s'est lancé à bord de son avion-fusée SpaceShip2 pour monter à 85 km d'altitude, tout près de la limite virtuelle définie entre la Terre et l'espace. Le vol aura permis aux 4 membres d'équipage, accompagnés des 2 pilotes, de profiter de cette sensation d'apesanteur en flottant dans la cabine de l'appareil, avant de retourner se poser sur Terre seulement quelques minutes plus tard. Et oui, les vols sont très courts lors d'un tir suborbital, puisque l'appareil ne fait que monter droit vers le ciel et redescend tout aussi vite sans chercher à se mettre en orbite, ce qui demanderait évidemment bien plus de vitesse et donc de puissance et de carburant. Le deuxième vol touristique cette année a eu lieu mardi dernier, le 20 juillet, avec cette fois un autre milliardaire et pas des moindres puisqu'il s'agissait quand même de Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, accompagné de son frère, de Wally Funk dont je parlais il y a 15 jours qui est devenu ainsi la personne la plus âgée à aller dans l'espace du haut de ses 82 ans, mais également d'Oliver Dimon qui sera à l'inverse le plus jeune avec ses 18 printemps tout juste. Le décollage et le vol se sont parfaitement déroulés en menant les 4 passagers au-delà de la ligne de Kármán à 100 km d'altitude, laissant ici les touristes astronautes quelques minutes en apesanteur dans la cabine, une expérience qui doit être déroutante lorsqu'on est habitué à garder les pieds sur Terre. Le retour au sol de la fusée New Shepard a encore une fois été réussi, et la capsule s'est posée comme prévu à l'aide des parachutes pour un vol total de moins de 15 minutes. Wally Funk, qui aura dédié sa vie au vol et à l'espace sans jamais y aller, vient donc de réaliser son rêve grâce à Blue Origin, une juste récompense quand on sait que cette femme a près de 20 000 heures de vol au compteur, a formé 3000 pilotes, et faisait partie des 13 femmes pressenties pour participer au programme spatial des premiers vols habités Mercury 13, mais dont la NASA ne voudra finalement pas dans une Amérique où à l'époque, le statut de la femme n'était visiblement pas prévu pour aller dans l'espace. D'ailleurs, pour la petite anecdote, John Glenn, le premier américain à réaliser un vol orbital en 1962, s'était opposé à la présence des femmes dans les programmes spatiaux habités de la NASA. Or, il s'avère qu'il était jusqu'alors la personne la plus âgée à être allée dans l'espace à 77 ans, un record qui vient donc d'être effacé par Wally Funk, qui doit sans doute savourer cette revanche. Blue Origin devrait relancer cette année au moins 2 vols touristiques comme celui de mardi dernier avec sa fusée New Shepard, et va aussi s'attaquer au marché des lanceurs lourds dès l'année prochaine avec une nouvelle fusée, la New Glenn, un peu plus puissante que la Falcon 9 de SpaceX, mais qui sera bien sûr plus petite que l'énorme Starship promis par Elon Musk. J'espère que vous aurez découvert ou redécouvert ces moments clés avec beaucoup de plaisir. La semaine prochaine, on reprend le rythme habituel avec mardi un Le Saviez-Vous sur une superbe mission européenne, et vendredi, le journal de l'espace de la semaine.
N'oubliez pas le pouce bleu et la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Et si vous voulez soutenir la chaîne, c'est par ici, ou par là, ou encore là. Enfin bref, vous avez le choix. En attendant mardi, prenez bien soin de vous. Salut les terriens!